comme ça. Nous sommes au Transmusical dans le Village Presse avec toi, Porboy. Salut. Salut. Alors, tu viens de sortir un album qui s'appelle Dreamer Ayo Sad. On va le traduire hein, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Rêveur, es-tu triste ? Alors dis-moi, c'est pas très très positif tout ça ? Non, c'est pas très positif, non. Mais il y a quand même le point d'interrogation. Au départ, ouais. Il y était pas. Tu t'appelles Porboy quand même, il y a cette marque un peu du pessimiste quand même qui traîne un peu. Ouais, je suis très pessimiste, je suis quelqu'un de... j'ai globalement assez mélancolique et pessimiste, mais... je transmets dans ma musique ce côté-là de ma personne en fait. Quoi. Et tu as... Je suis pas non plus dans comme ça, mais... Tu as besoin de cette tristesse-là pour créer ? Ouais, jusqu'à Sunshine, je pourrais jamais, c'est pas possible. Faut que je sorte ça de moi, donc le seul moyen que j'ai trouvé, ça date forcément la période d'adolescence. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'abord en écoutant de la musique, cette musique-là anglo-saxonne. Bah, pour moi, le titre vient de la chanson de Nick Drake. Ouais. En écoutant Nick Drake, Tim Buckley, les Beatles, c'est surtout les morceaux de John Lennon. J'imagine, tu étais tout seul dans Porboy, ça l'est toujours plus ou moins maintenant, tu es toujours le compositeur, tu es la tête pensante de Porboy. J'écris les trois quarts des textes et après je compose chez moi, après on retravaille pour le live, pour l'album on l'a enregistré en live donc on l'a travaillé en groupe, à la différence du premier que j'avais fait tout seul en home studio. Qui était une autoproduction. Si je me trompe pas, le côté un peu expérimental de tes débuts se ressent un peu beaucoup moins dans ce nouvel album, Dreamer Ayo Sad. Ça ressent moins du fait qu'il est enregistré en live, ouais. Et que après, c'était au Black Box Studio en analogique, donc ouais. Après les possibilités, on l'a enregistré très très vite. On n'a pas pu rester 2-3 mois à refaire de l'arrangement derrière, de la bidouille et de l'expérimentation. Donc c'est plus un album qui est assez proche du live finalement. Quoi. Et c'est la volonté que j'avais. Tu ne voulais pas forcément faire appel à toute la modernité, le numérique et tout non, ça. Non, voilà, je voulais un disque honnête en fait. À notre mesure, avec justement qui soit ancré dans un moment et qui ne dure pas des sessions. On va refaire ça, on va tout faire. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Et puis aussi pour l'expérience du studio. D'accord. Ce qui était incroyable, que j'avais jamais vécu. Donc il y a ça aussi. Alors il y a quelques années, tu as travaillé avec Abstract Kilogramme, un duo qui faisait du abstract hip-hop. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience avec des artistes qui n'étaient pas forcément dans le même univers que toi? Non, pas le même univers, mais on va dire la même scène. On vient du même endroit, de Morlaix, dans le Finistère. On s'est rencontrés, ils m'ont vu à un concert. À ce moment-là, j'étais tout seul. Non, j'avais un bassiste à ce moment-là, Bruno, qui n'est plus là maintenant. Et ils m'ont proposé de faire une participation sur leur album, Bad Thriller. Ce à quoi je pouvais dire que oui, vu que j'étais vraiment un grand fan de leur musique. Parce que c'est un peu le premier groupe de Morlaix qui a réussi à signer sur un label. Il y a cela déjà presque 10 ans, pas tout à fait, mais... Donc voilà quoi, c'était une expérience très enrichissante, justement de travailler sur le côté expérimentation électronique. Notamment dans la composition, parce que quand on a enregistré le morceau... T'as donné envie d'en mettre justement dans ta musique aujourd'hui. Voilà, moi je débutais à ce moment-là, j'avais même pas d'ordinateur, j'avais un 4 pistes, donc c'était analogique. Donc après voilà, j'ai commencé à travailler comme il le faisait Abstract en fait. Je te remercie en tout cas. Merci. Oui, je me souviens, il n'arrêtait pas de fixer les pieds mes moindres gestes. Et ensuite il disait à ma mère que je lui ressemblais, que j'étais comme elle. Un fainéant qui pense à sa musique, un point c'est tout aux mélodies et aux balades que j'ai inventées. C'est pas un homme, il disait, parce qu'un homme ne passe pas ses journées à écouter de la musique. Il n'obtiendra jamais rien dans la vie, mais c'est pas grâce à la musique qu'il pourra vivre au salon. Et puis ça a été la guerre.